Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez très bien, car moi je vais super bien à votre compagnie. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de pas de combat, parce que moi j'en ai acheté une deuxième. Donc je me suis dit bah pourquoi pas si j'ai pas fini. Peut-être que dans le prochain prochaine saison, j'y continuerai à finir quand même, même si j'ai pas eu le temps de. C'est vrai que je joue pas énormément sur Fortnite, hein, je vous avoue. Je joue à plein de jeux. Je joue pas que sur Fortnite. Donc du coup, j'ai pas forcément le temps de, comment dire, de débloquer tous les paliers, sachant que je les ai achetés. Donc on va dire, comme la majorité d'entre vous, je suis sûr que il y a pas mal de monde qui a acheté pour les paliers et tout ça. Donc moi je trouve ça un petit peu absurde d'acheter, ça vaut quand même 9 euros, hein, il faut l'avouer, on va dire c'est 10 euros parce que c'est 9,99 euros. Donc j'ai quand même acheté le troisième sans savoir que. Enfin si je savais, parce qu'avant d'acheter, on voit qu'il n'y a pas le palier numéro 2. Et moi j'étais vraiment étonné de voir ça parce que. C'est vraiment, on va dire, pas possible de voir ça. Et après, j'ai pas regardé sur Twitter s'il y a des gens qui se plaignaient, etc., pour dire que voilà, on a quand même acheté le palier et pourquoi pas le garder tout le temps, en permanence, jusqu'à ce que on débloque tout et on change. C'est-à-dire que c'est pourquoi pas laisser le système ou. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas débloqué le palier, on peut pas passer à d'autres pa enfin un palier d'après, on va dire. C'est vrai que ça avait fait perdre du temps à celui, enfin ça va un petit peu pénaliser celui, on va dire, qui n'a pas encore fini, mais le but c'est que d'avoir tous les objets débloqués, même si on n'a pas forcément, on va dire, on n'est pas accro du jeu H24, on va dire. Au moins de bloquer un jour ou l'autre, c'est-à-dire que c'est parce que c'est vrai que 9 euros, on va dire, ouais, c'est pour un jeu, c'est voilà, on va dire, c'est énorme parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, on va dire, qui a la somme, on va dire, hein, et sachant avec une famille de 3 enfants, on va dire, c'est déjà énorme, sachant qu'il y a pas mal d'enfants qui veulent bien avoir des choses bien, on va dire, qui veulent tout simplement s'amuser. Donc, est-ce que je suis le seul à se plaindre à propos de ça? Voilà, c'est que je trouve pas ça normal qu'on achète un truc et qu'au final, bah, on le supprime. Et n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, hein, parce qu'en ce moment, je sais que beaucoup d'entre vous m'a, entre guillemets, délaissé. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de. Il y a pas de retour de votre part sur mes vidéos, parce que là c'est vrai que j'attends beaucoup beaucoup de vous, mais jusqu'à présent j'ai pas vraiment un retour, quoi. C'est même un petit pour dire voilà, oui, il y a pas mal d'entre vous, enfin on va dire pas mal, il y a 2 ou 3, hein, je peux citer, hein, qui suit règlement, enfin régulièrement mes vidéos, mais qui lâche, qui laisse ni des likes ni des commentaires. Moi, je trouve un petit peu, on va dire, aujourd'hui c'est le moment de se plaindre. Hein. Je me plains un petit peu dans cette vidéo. Excusez-moi, je m'excuse en tout cas, parce que c'est vrai que quand on passe du temps à faire des vidéos qui a rien autour, oui, c'est vrai que ça démoralise, mais bon, après, je me dis que, après, chacun, on va dire, c'est comme à la télé, hein, si on voit que c'est du blabla, etc., ben, on change. C'est vrai que j'essaie de faire un truc du mieux que je peux, hein, du mieux que je peux par rapport à mes vidéos, où j'essaie de trouver quelque chose pour vous plaire, tout simplement. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas trouvé. J'ai pris beaucoup de lacunes par rapport à les youtubeurs de présent, des youtubeurs modernes je pense que je me répète, mais qui ont déjà des choses pour faire des cinémas, quoi. Moi, j'ai pas encore ça chez moi, donc je me contente d'un petit AVerMedia
pour enregistrer mes gameplays et avec un micro, on va dire, pas très dégueulasse, hein. J'essaie de s'arranger du mieux que je peux. Normalement, c'est un micro de professionnel et voilà, j'essaie de bien faire avec, on va dire, avec ce que j'ai. Mais c'est vrai que de la part de mes abonnés, j'ai pas beaucoup de retours et ça, franchement, ça démoralise. Je comprends mieux d'ailleurs certains youtubeurs qui abandonnent, hein. C'est vrai que quand on est passionné, on va dire, entre guillemets, on n'a pas le droit d'abandonner. Mais bon, après, la vie fait que il y a des moments où on se pose des questions et on se dit, bah, est-ce que je dois continuer ou pas? Parce que il y a personne qui m'aide, parce qu'on a tous, quel qu'il soit, on a tous besoin d'un coup de main de la part des uns et des autres. Et quand on fait des vidéos, ben, les gens qui s'abonnent, ben, on attend. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'exigences. J'ai pas beaucoup de demandes. Et moi, c'est ce que j'attends, en fait, par rapport à mes vidéos. C'est ce que j'attends. Et voilà. Donc, dans ce gameplay, j'ai parlé beaucoup. Je parle beaucoup, enfin, aussi. Je parle beaucoup, mais pour l'instant, j'ai pas fait de kill et je suis déjà niveau 25. Et il n'y a rien, c'est le silence total. Heureusement que je suis là pour vous raconter un petit peu mon histoire, si j'ose dire. Donc voilà, je suis un petit peu désespéré en ce moment, je vous l'avoue. Hein, je suis désespéré par rapport à, on va dire, j'ai mal à mon YouTube, comme. Un des youtubeurs qui l'a dit. Et aujourd'hui, j'ai mal à mon YouTube parce que les gens aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut le dire, il y a tellement de choses à regarder sur YouTube, il y a tellement de divertissements, et que ceux qui sont à la traîne, ben, ils sont mal tout simplement. Ou alors, on est tout simplement ceux qui sont des petits youtubeurs comme moi, on va dire, on nous pénalise. Si je finis avec un kill, ce serait bien. Donc je vous invite fortement de cliquer sur like et de faire partager parce que moi j'attends, on va dire, c'est vrai que en 4 ans de YouTube, je m'attendais beaucoup plus d'abonnés. Je m'attendais avoir au moins 600 abonnés, pourquoi pas. Mais là, avec, c'est vrai que 300 abonnés, c'est déjà quasi pas mal, hein, mais je vise plus loin comme beaucoup d'autres youtubeurs, on va dire, c'est ce qui est tout à fait normal, mais mes vidéos ne sont pas vues par mes abonnés, elles sont plus vues par des gens d'extérieur, et ça me fait, enfin, ça me fait du bien en même temps, mais ça me fait plus de mal, sachant que je suis un youtubeur multiplay gaming. C'est vrai que c'est pour l'instant, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Pourquoi il fait c'est vrai que c'est difficile de comprendre mes vidéos par rapport à plusieurs plateformes, enfin plusieurs plateformes, plusieurs jeux, plus FPS et je mets enfin du sport et tout ça. Donc c'est un peu du mélange. Donc ça veut dire ça, le multiple gaming, hein. C'est il faut enfin je fais on va dire tout ce qui me passe par la main, tout ce que j'ai envie de jouer. Ah mince. Comme Fortnite en ce moment, je suis en train de jouer à Fortnite. Et au début, c'est vrai que le jeu, ça m'a pas plu, hein. C'est on va dire j'avais un petit peu de fierté par rapport au jeu. Mais fierté, c'est-à-dire que je dis ouais, c'est un jeu pour un gamin et c'est pas pour moi, quoi. Mais avec le temps, je vois qu'il y a des gens qui jouent, et en même temps, oui, ça donne envie, quoi. Et après, je suis accroché à ce jeu, et de temps en temps, ça m'arrive de passer 2 heures, 3 heures de temps dessus. Et je suis bien content quand je fais un top 1, je suis plus que content. C'est vrai que c'est un jeu qui stresse beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ah, il va même pas. Dans l'interview ou bien il a fait le parler. Il m'a vu, mais bon, en même temps, j'ai pas de casque. Hein. Désolé. Ah, je l'ai eu. Petit moment de silence.
Mais c'était un kill facile, on va dire, mais je sais pas si on me tire dessus. J'ai un côté casque qui ne marche pas bien. Donc je vais prendre un petit snipe qui l'a pris là. Allez, allez. Ça, c'est bien. Moi, avec ça, je peux me défendre de loin. Bon, c'est vrai que c'est pas coup par coup, mais ça peut me faire l'affaire. Enfin, j'espère en tout cas. Donc voilà, je m'attends beaucoup, beaucoup de vous. Il y a pas mal de messages qui disent des choses positives. Et moi, j'attends toujours de ça. Peut-être que je m'exprime mal le français et que les gens comprennent pas forcément ce que je dis, hein. Mais je suis pas né en France, je suis en français, mais je suis pas né en France. Donc j'ai appris à parler français à l'âge de 10 ans. Donc c'est vrai qu'il y a des mots où j'écorche beaucoup, hein, il faut le dire. J'ai beaucoup de difficultés entre le, la et une. Ça, franchement, je pense que vous avez sans doute remarqué. Et moi, je peux rien parce que c'est mon plus gros défaut, c'est ça. J'arrive pas à. On va dire, c'est un défaut, quoi. On peut corriger, hein, mais c'est plus fort que moi, quoi. C'est plus fort que moi parce que j'arrive pas tout simplement à. Des fois, je me perds entre une et. Ah, je le vais. Allez, reste dedans, s'il te plaît. J'ai dû attaquer avant. J'ai dû attaquer. Mais là, il reste 10. Il reste 10. Hop, il y en a un qui tient en bas. Je reste là-dedans maintenant. Parce que j'ai pas vu où est-ce qu'il est. Oh, je m'y attendais pas du tout à faire tous ces kills. C'est bon. Donc j'ai dû ça m'a coupé. J'ai parlé un peu plus de tout et de rien. Je pense j'ai pas j'ai commencé par les paliers et maintenant j'ai fini par ma chaîne, enfin par le fonctionnement de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas de dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, parce que moi, j'aime pas du tout passer par les gros youtubeurs pour essayer, comment dire, pour avoir leurs abonnés, pour avoir des abonnés tout simplement. J'aimerais bien, moi j'aime bien me débrouiller par mes propres moyens, pourquoi pas réussir ainsi. Et donc voilà, c'est. Je vais pas me répéter. Bon, je me contente de faire des vidéos, même si je sais que j'aurai que 2, 3 vues par semaine. Pour moi, ça ne fait rien, mais parce que c'est ma passion et j'aime bien partager ma passion avec vous. Donc du coup, bah ça. Ah, j'ai un petit piège. Pourquoi pas faire un petit piège, tiens. Il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est mort. Donc ça, on va faire un petit comme ça. On va faire mode à quelqu'un que j'aime beaucoup. J'espère que ça va marcher. Ah, ça marche pas. Ça. Non, 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 non. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. Ça. On va laisser comme ça. Ah, j'ai oublié de mettre le piège. J'ai oublié de mettre le piège.
oublié de mettre le piège, mais bon, à mon avis, il va pas tomber dans le piège. Hein. Il est aussi plus là. Il reste plus que deux, c'est tout. Pas du tout. Ah, je l'ai pas vu. Donc voilà les amis, je vous laisse sur cette défaite top 2 parce que en même temps j'attendais rien sur mon casque donc qui je voyais rien non plus. N'hésitez surtout pas, je vous invite fortement de cliquer sur j'aime, sur le pouce vers le haut, de faire partager pour ceux ou ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui sont là depuis longtemps sur ma chaîne. Et pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, ben, je vous invite tout simplement à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis. Ciao, ciao.